Voilà, ma boîte à thé terminée. Donc, je vous l'avais présentée vide et j'ai fait un petit album pour la garnir. Voilà. Thank you.
Alors, je ne parle pas souvent des livres que je dis que j'achète des livres à Noz, mais je ne parle pas souvent des livres à prix. Je ne raconte pas l'histoire. Et là, c'est un livre que l'on m'a prêté et que je trouve superbe. Donc, je voulais vous le présenter. C'est un livre de Guillaume Musso, Et après. Alors, c'est l'histoire d'un enfant qui sauve une petite fille qui est tombée à l'eau, quoi, qui l'a sauvée, et lui s'est noyé. Il a fait un arrêt cardiaque, donc c'est l'histoire d'une mort clinique, et après. Et donc, 20 ans après, il est devenu quelqu'un de très important, et il s'est marié avec la petite fille qu'il avait sauvée, justement. Et qu'il a, bon, avec les années, il l'a quitté. Donc c'est toute l'histoire de sa vie. Et c'est une histoire d'amour, de suspense. Voilà. Donc, l'émotion, le mystère, aux frontières de la plus essentielle des questions. Pourquoi sommes-nous là? Voilà, je trouve que c'est un livre qui est superbe. Donc, je voulais vous le présenter. Voilà.